Donc pour le gestionnaire de canal, ce joueur dispose de cartes sur lesquelles figurent un certain nombre d'actions qui sont à sa disposition. Chaque carte donc est organisée de la même manière, donc l'intitulé de l'action, par exemple là, entretenir les infrastructures, avec le coût que cette action représente, les effets éventuels de cette action, donc là bien sûr en dehors de l'entretien, les effets sont que cette action d'entretien permet d'annuler certains événements qui seront tirés au sort dans le jeu, des événements qui ne surviennent que si l'entretien n'a pas eu lieu. L'entretien des canaux par exemple n'a pas eu lieu, on peut avoir des événements de type effondrement d'un canal ou infiltration, fuite d'eau à partir d'un canal, voilà. Et enfin, donc éventuellement les combinaisons possibles avec d'autres actions et son domaine de validité. Là par exemple, cette carte, si elle est jouée, elle est valable à tour pour un canal. Le gestionnaire de canal dispose également d'infrastructures qu'il peut installer. Par exemple, une station de mise sous pression de l'eau du canal, donc il va permettre d'alimenter des productions agricoles sous pression. S'il est à certains endroits, il peut également installer ce qu'on appelle des stations de basse pression gravitaire. Alors, basse pression gravitaire, c'est un dispositif qui permet de mettre l'eau en pression en utilisant tout simplement la pente. Donc c'est un peu moins onéreux à installer, mais ça ne peut s'installer que là où il y a de la pente, c'est-à-dire dans la zone de pied. Et enfin, le gestionnaire de canal a aussi la possibilité de produire de l'électricité avec des centrales hydroélectriques installées sur les canaux eux-mêmes. Hein, donc il utilise en fait l'eau qui circule dans les canaux. Donc on a jour dans le losange donc le coût d'installation. Ici le nombre de billes d'eau nécessaire pour turbiner et le revenu qui est apporté. Si on prend les stations de mise sous pression, eh bien, on a le coût d'installation et le nombre de billes maximum que la station peut envoyer pour une saison. Donc ici, 4 billes, ou là, sur la basse pression gravitaire, 3 billes.